question. President, please be seated. Président, veuillez vous asseoir. The court is now back in session. And before I hand the floor to the defense team for Nunji to put questions to this witness, the chamber hands the floor to Judge Levin to make an oral ruling through the objection by the international deputy co-prosecutor in reference to the questions and the source of the documents by the defense counsel. Judge Levin, you have the floor. Yes, thank you, Mr. President. The chamber is going to sustain the objection so the witness does not have to answer the question that was put to him by Counsel Koppel. And the chamber, during the break, examined the documents in question, E3/7696. And noted that this is an interview by DCCAM of NetSabat, but the following is said in English. C'est à l'ERN en anglais. It's at English ERN 00384164. Note the statements in parentheses are the direct statement of NetSabat, not that of Van Koon in his confession. Donc la chambre comprend que tout ce qui est entre parenthèses correspond à des réponses fournies par NetSabat. Tout ce qui n'est pas and everything entre parenthèses that is not between brackets correspond en fait à la lecture de l'aveu of the confession provenant de from S21, and that is why the chamber does not authorize the question to be put. Puisque ce qui a été lu because what was read was not what was between the brackets, but what came directly from the confession. I'm not sure if I understand because Maître Koppel, je ne suis pas certain de bien comprendre. It says parce qu'il est dit Savat, and then the brackets Savat, open. Et puis ensuite ouverture yes. de parenthèse. Oui. Him saying, yes, all weapons were collected, toutes but Kampoon might have some weapons hidden in order that his forces could take them. End of bracket. Des, laughing. So, armes qui ont that's été his answer. Entreposées, fin de la parenthèse. The confession. Donc, c'est that's sa why réponse. I was asking n'est pas l'aveu, the question, c'est pour cela que je posais la which question. Also brings me to another point. Investigators of the co-investigating judges have used confessions ont utilisé to ask questions pour poser to des questions witnesses. Aux témoins. Does your ruling now mean that answers given by those witnesses prompted by the reading of confession are now also excluded from the evidence? Sont des éléments de preuve? If I may respond to that last comment, there is one well-known interview where that took place, très connu and indeed, when that with Mies Vuon. And this c'était happened in the first trial, when that part of his statement une was brought before this chamber, the Nunchea defense objected chambre, because the witness was being questioned using an S21 confession, asked to confirm whether or not that was correct. The trial chamber sustained the objection of the Nunchea defense, and so that part of the statement was not allowed. So the Nunchea defense itself has argued against themselves in these proceedings before. And before I get off my feet, this relates to a question that Judge Levin asked about the black paper earlier. Counsel attempted to use the black paper, a piece of propaganda from
le livre noir est un élément de propagande du Kampuche démocratique que la défense a essayé d'utiliser. Il porte sur ce supposé complot visant à tuer Pol Pot. Et si vous prenez le livre noir, particulièrement 00082542, vous voyez très clairement d'où vient l'information pour répondre à la question posée par le juge Laverne. Parce qu'à cet endroit, il dit lorsqu'il était arrêté en 1976, Khoi Thun a révélé le plan. Donc là, très clairement, on reprend des informations qui ont été obtenues après l'arrestation de Khoi Thun, donc pendant son interrogatoire. Khoi Thun wasn't interviewed in S21 mais seulement là mis de côté, Monsieur le Président, je ne pense pas avoir entendu une réponse à ma première observation, à savoir que l'extrait pertinent de Savat, selon lequel toutes les armes ont été collectées, mais Kampun avait peut-être caché certaines armes, pour que ses forces puissent s'en emparer ou les saisir, reste la déclaration ou le témoignage. Et comme vous le savez, j'ai une position différente de celle de mes confrères. In accordance with, nous pensons conformément à ce que pensent Chandler, Heather et également Hinton, by the way, Hinton le prochain expert appelé à comparaître, que, au vu des circonstances actuelles, si l'utilisation qui en est faite est prudente, elle est permissible. Elle est possible. Mais ceci étant dit, je ne comprends toujours pas la décision parce que c'est là bel et bien le témoignage de Savat. The chamber has ruled la Chambre a rendu on this sa matter décision. That this document cannot be used. Ce document ne peut pas être utilisé. As it is an extract from the confession. D'aveu. If you have more questions, si please move on to allez-y. That question. If not, passez then the floor will be given sinon, to the next defense team. À la prochaine équipe de défense. Oh well, I will move on, Mr. President. Oui, bien, j'avance, Witness, Monsieur le Président. What is Monsieur it that you know about Division 920? Que savez-vous au sujet de la Division 920? I did not know anything about that. Je ne savais rien du tout à ce propos. Have you heard of Division 920? Question, avez-vous entendu parler de la Division 920? Which division are you referring to? De quelle division parlez-vous? 920. Demande la défense. 920. No, I did not know about that non, division. Je ne savais rien au sujet de cette division. I did not know who was in charge of je that division. Je ne savais pas qui était responsable de cette division. Have you ever heard of Chin, the Division 920 commander? Réponse, avez-vous entendu parler de Chin, le commandant de la Division 920? Is it Sin? Sin, vous dites? I only heard from other people regarding j'ai this person, but I never spoke in person de cette par to d'autres him. Personnes. Je n'ai jamais parlé personnellement. I only saw the person. J'ai seulement vu la personne. Il y a d'autres gens qui m'ont dit qu'il I did not meet him in je person. Je ne l'ai pas rencontré en personne. Avec lui, quand combien de temps était-il? Il y a du moins 15 ans. And I was not in any position to speak to him. Et je n'étais pas en mesure de pouvoir lui parler. I understand. Question, je comprends. Do you know whether Division 920, excuse me, savez-vous was si in any manner involved 920 était impliqué in d'une quelconque façon? Bringing Vietnamese troops into DK territory. Dans le passage
de troupes vietnamiennes sur le, à travers le territoire cambodgien. No, I did not know about that. Réponse, non, je n'en savais rien. And I did not see it either. Et je n'ai rien vu non plus. I'm not allowed to ask follow-up questions. Question, Mr. President, for the record, this is something he was read to from the confession, and he confirmed it in his DC camp statement. Quelque chose qui lui était dû à partir des aveux et qu'il a confirmé dans son entretien avec le CD CAM. Do you know whether he had any relations with savez-vous Division 310 s'il avait commander Eun? Des liens avec Eun, le commandant de la division 310. No, I did not. Have you ever heard of plans? If I know, I tell you. If I don't know, I would say so. Le témoin, si je le savais, je vous le dirai. Et have si you ever heard of pas, plans of Division 310, 450 and others? Entendu parler de plans élaborés par la division 310, 450 et d'autres qui consistaient à attaquer à un moment donné la station radio de Phnom Penh, l'aéroport de Pochentong, tuer les grands dirigés et organiser un coup d'État contre le PCK. No, I did not know about that. Réponse non. But interrupt, Mr. President. Monsieur le Président, my apology for standing up, and I'd like to get the resource of the question of Council Copper. Par Maître Copeux. It's testimony from various Division 310 qui ont déposé, Sam Hoon est l'un d'entre eux, il y en a d'autres. Il y a également des témoignages du CDCAM qui confirment ces éléments. Je crois que tout ceci est correctement versé au-delà, mais je posais une question ouverte, la réponse du témoin qu'il ne sait pas. Je vais donc lire quelque chose de différent et demander au témoin s'il sait quoi que ce soit au sujet de ces extraits. Mr. Witness, that's the same document I was reading from earlier. It's a minutes of a meeting chaired by Son Sen. C'est le procès-verbal d'une réunion présidée par Son Sen. Do you know who Son Sen was? Savez-vous qui était Son Sen? No. Réponse non. I did not know him. Je ne le connaissais pas. Son Sen, in document E3/13, is talking to the various division commanders, including Hoon and Chin. Hoon et Chin. And he is saying the following, and I'm quoting from ERN English 009-40343, en anglais, command 0652-406. And French 00334976. He is analyzing the situation. Il analyse la situation. It is October 1976. It's a month after the arrest après of Ya, l'arrestation de Ya, your brother-in-law, votre beau-frère. And Son Sen is saying the following. Et Son Sen dit la chose suivante. Two enemies, il établit une distinction entre west, deux ennemis, les ennemis à l'ouest and second, the enemy et to les the ennemis east. À l'est. And he's saying the following. The key plan, voici ce qu'il dit. Le of plan the enemy of the east, de l'ennemi de l'est, the Vietnamese, with les the Soviets behind them, avec les Soviétiques derrière attack eux, from the inside consiste à attaquer de l'intérieur traitorous forces par le truchement Ya, des forces traîtres de Ya, Kyumias, Chuk, et de Chakrai.
What I would have liked in terms of an attack from the outside was to attack in Czechoslovakian and Angolan style. But this was merely a moral boost, because given our situation, this was not something the enemy could do. End of quote. Fin de citation. Mr. Witness, you were a CPK cadre since 1968. Monsieur le témoin, dès 1968, vous êtes membre du PCK. Mid-level position in the fonction dans la zone nord-est de niveau moyen. Vous étiez étroitement lié, je le crois, à Kampon. Is this something that you have any knowledge of? Est-ce que the Vietnamese que je viens de vous dire, trying to, c'est-à-dire que les Vietnamiens attack Democratic Cambodia essayer d'attaquer le Cambodge démocratique en utilisant des collaborateurs de l'intérieur est quelque chose dont vous aviez connaissance, au sujet duquel vous avez des informations. I did not know réponse, about that. Je n'en savais rien. Fine, thank you, Mr. Witness. Some last La défense. Très bien, merci, Monsieur le témoin. Quelques petites questions encore. Avez-vous entendu parler d'une organisation appelée le FULRO? I only heard people talking about FULRO, but I did not réponse, see it. J'ai seulement entendu les and gens I did not parler know du what FULRO, vu, FULRO was involved in. Je ne savais pas exactement ce que faisait le FULRO. I did not know anything surrounding this FULRO. Je ne savais rien autour de ce FULRO. Do you know whether there is question, one FULRO organization and another dealing with FULRO, dealing with CHAMPA, called S'il FULRO CHAMPA. Une organisation appelée FULRO et une autre organisation qui s'occupait plus du CHAMPA, appelée FULRO CHAMPA. No. Réponse non. I did not know about that. Je n'en savais rien. So you never heard of FULRO CHAMPA? Is that what you're saying? Question. Donc vous dites que vous n'avez jamais entendu parler de FULRO CHAMPA. Yes. Réponse, I didn't oui. know about that. Je ne savais rien let me de read cela. To you something from your own statement. Question. Je vais vous lire un passage de ce que vous avez dit au CDCAM. E3/7696. 76-96. English ERN 0038414134 and 35. French 0038424141 and 0023151112. The question put to you is: have you ever heard the word FULRO? And then you answer yes. And then oui. The question: what does it mean? La question qui vous est posée est, you answer: que FULRO was a group of strugglers. C'était un groupe de gens qui luttaient. And a little bit further. Un peu plus tôt. What were their purposes? Struggled against whom? They said that they struggled against the Vietnamese, the communists. Réponse: il était dit qu'ils luttaient contre As les Vietnamiens. They were struggling. What did they expect in return? They wanted the country, is Qu'est-ce your answer. Voulaient? What land? Réponse, ils voulaient le pays. Question, quelle terre? The land which belonged to Champa Kingdom, réponse, is your answer. La terre qui appartenait au royaume du Champa, and c'est ce que vous répondez. A bit further on, et un petit peu plus so loin, you knew about FULRO. Donc, you did not vous know étiez any au courant things, de FULRO. Other things else? Est-ce que vous saviez quelque and chose you d'autre? Answer, they came here, vous and répondez, I also ils sont saw venus ici too. Et j'ai également vu un colonel. Does that refresh your memory, question, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, monsieur le témoin? No, I didn't say that. Non, je n'ai pas dit cela. I didn't know about that. Je n'en savais rien. Je ne savais rien de cela. But I was just reading from your DCCAM statement. Question is et pourtant, something that j'étais you en forgot? Train de donner lecture de, d'un passage de votre entretien avec le CDCAM. Est-ce que c'est une partie que vous avez oubliée? I didn't say that. Réponse, je n'ai pas dit cela. Maybe that was wrongly put in the statement. Peut-être que cela a été mal reflété Because dans l'entretien, I parce que je n'ai rien vu, je n'ai pas vu de FULRO. No problem.
Maître Coppola. Très bien, Monsieur le témoin. Dernière question. Avez-vous jamais entendu parler des Khmer Sor ou les Khmer Blancs? Oui. Non. Réponse non. I did not see any Khmer Sor. Je n'ai pas vu de Khmer Sor. But my question was whether you heard of them. I did not know anything about the white Khmer or the black Khmer. Je ne savais rien au sujet des Khmer blancs ni au sujet des Khmer noirs. Are you tired, Mr. Witness? Maître Coppola, êtes-vous fatigué, Monsieur le témoin? Yes, rather tired. Réponse oui, assez. I will stop my questions. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président, dit Maître Coppola. Pardonnez. President Alaina, turn the floor to the defense team for Kyiv Sampol. You may proceed, counsel. Merci, Monsieur le Président, et peut-être pour rassurer tout le monde, indiquer que mon confrère et moi-même n'avons que peu de questions et que nous allons terminer pour 4 heures. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Anta Gissé, je suis co-avocat international de Monsieur Kyiv Sampol. My name is Anta Gissé. I am international co-counsel for Mr. Kyiv Sampol. I have a few clarifications sur des choses que vous avez dites aujourd'hui. To clarifying what you have stated today. D'abord, je voudrais avoir quelques clarifications sur les deux fois où vous avez été interrogé. J'ai compris que vous avez été interrogé une première fois par les membres du personnel de CDCAM. Et plus tard, vous avez été interrogé par les coachs d'instruction, les enquêteurs des coachs d'instruction. Est-ce que c'est bien exact et est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur les deux fois où vous avez été interrogé? Can you remember that you were interviewed twice? Does that refresh your memory? Yes, I was interviewed twice. Oui, j'ai été interrogé deux fois. One was in my village, and the second time was in Ratanakiri province. Et la deuxième fois dans la province du Ratanakiri. Je voudrais d'abord m'intéresser à la première fois. Vous avez été interrogé par le personnel de CDCAM. Lorsque vous avez été interrogé, est-ce que vous vous souvenez si vous étiez le seul dans la pièce à être interrogé ou s'il y avait d'autres personnes avec vous? Person in the room in which you were interviewed or there were other persons with you in that room? You mean when I was interviewed? Vous voulez dire lorsque j'ai été interrogé? There is a case, there was only me who was there. Il n'y avait que moi qui était là. Là, je parle de votre entretien avec CDCAM. Est-ce que vous êtes sûr que vous étiez tout seul à être interrogé ce jour-là? Are you sure that you were the only person in the room when you were interviewed on that day? Yes, I was the only one who was interviewed. Oui, j'étais le seul à être interrogé. Je vous pose cette question, peut-être que ça peut vous rafraîchir la mémoire, parce que dans ce document des CECAM, E3-7696, en dehors de vous et de la personne qui vous interroge, parfois il y a des interventions de ce que je pense être M. Chantoy qui a témoigné hier devant cette chambre. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire que does that refresh your memory? Celui-ci était présent au moment de votre entretien was des CECAM. At the time you were interviewed by DCCAM. President, Deputy Co-Prosecutor, you have the floor. Co-procureur adjoint, vous avez la parole. Yes, thank you. Just for the record, merci, and this may help counsel with the witness, this interview took place over a three-day period. It's only on the third day that the presence of Chantuch is recorded. The same pages that we talked about before, English 384164. So I think counsel should be specific and refreshing the witness about this, that it was only on the last day that this other person was present. En disant au témoin que ce n'est que le troisième jour que la présence de cette personne a été enregistrée. Ma question ne comportait aucun
piège dans la mesure où nous avons confirmé avec le témoin qu'il a été entendu deux fois. Je n'ai aucun problème à être plus précise. Est-ce que vous vous souvenez, comme vient de l'indiquer monsieur le coprocureur, que vous avez été interrogé par le personnel de CDCAM sur plusieurs jours et que le dernier jour, lorsque l'on vous a présenté la confession, dont il a été question tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez que Toik était présent? Et là, à l'intention de la Chambre et des parties, je fais référence donc, au document E3/7696, par exemple, à l'ERN en français 00384273, l'ERN en anglais 00384169 et le RN en Khmer 00231547 où on voit la mention de la personne de Toik apparaissant comme intervenant lors de cette transcription audio. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? As having been interviewed according to this audio transcript, does this refresh your memory? Answer. Réponse. In 1998, I was given a piece of document for me to read. L'on m'a donné un document à lire. It was about the story of ce document portait sur June. L'histoire que June. I at the time finished reading June. After I read that, and then I was asked whether that story was true, and I said si yes. Cette histoire était vraie, et j'ai répondu par l'affirmative. Chan Toik was there, but he était présent. Did not say something. Mais did not say anything. Dit. And on another occasion, Chan Toik, me and Xian, I was given a piece of document as well to read, and names were mentioned in that document. And I was asked to read a lot at that time, and the question was put to me whether the content was correct about the birth of place, so on and so forth. And I stated at the time, it was correct, Kasi. And then the question was also about Kasi why, and I said the why is leaving, and Leng's why. What about Leng's why? I in my reply. Why that virus also is living? And there are many other names which I cannot recall since I am getting older now. Vu que je suis âgée à présent. Je comprends bien que ces entretiens remontent à longtemps et il n'y a pas de problème de ne pas vous souvenir de l'intégralité de ce que vous avez dit, mais là, vous venez de me confirmer que vous vous souvenez que Chan Toik était à un moment avec vous lors de l'entretien avec le CDCAM. Vous avez également été interrogé la deuxième fois par les enquêteurs du bureau des couches d'instruction et un certain nombre de documents vous ont été présentés. Est-ce que vous vous souvenez avoir lu ces documents lorsque vous avez été interrogé pour la deuxième fois par les enquêteurs des couches d'instruction? OCIJ investigators. Answer. I recall réponse. That I told already. I told the court already, but I cannot recall all of the issues at the time since je it happened a long time ago. De tous les faits qui se sont déroulés à l'époque, étant donné que beaucoup de temps s'est écoulé. Pas de souci. Ce que je vous demandais simplement no de me confirmer que vous avez lu des documents
avant d'être interrogé, enfin, ou pendant que vous étiez interrogé par les enquêteurs des coges d'instruction. Et je fais référence à l'attestation de la Chambre et des parties au document donc E3/7695 aux URN en français 00274813 en Khmer 00236713 et en anglais excusez-moi 00239483 et les pages suivantes enfin un certain nombre de documents sont mentionnés qui correspondent, et ça je le précise à l'attention de la Chambre et des parties, qui correspondent soit à des confessions, soit à des biographies. Donc, est-ce que vous vous souvenez, monsieur le témoin, d'avoir que les enquêteurs des juges d'instruction vous ont montré, soumis des documents qu'ils vous ont fait commenter par la suite? And in respect of which you made some remarks. Answer, I cannot recall it well. Je ne m'en souviens pas très bien. Ce n'est pas bien grave, je vais maintenant m'attacher à... That's okay. Au moment où vous avez été Let arrêté, us now talk about the time of your arrest. Vous avez indiqué que lorsque vous avez été arrêté, quelque part en 77, alors d'ailleurs j'ai une précision sur ce point, il me semble que ce matin vous avez parlé de janvier 77, en tout cas c'est ce que j'ai eu en traduction. You mentioned January 1977. Dans vos déclarations précédentes, vous aviez parlé plutôt de novembre 77. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire et est-ce que vous pouvez préciser à quelle date votre arrestation est intervenue? Plutôt en novembre ou plutôt en janvier? The date of your arrest, was it in November or in January? Answer. Réponse. It was in January. C'était en janvier. 1977. The month that I was arrested, and then I was detained for one month. Exactement à cette date que j'ai été arrêté. After which I was transferred to the work site. J'ai transféré sur les sites de travail. That's all what happened to me. It was not in November, as you said. Ce n'était pas en novembre, comme vous l'avez dit. Sur le moment où vous avez été arrêté, j'ai compris de votre déposition que vous avez été arrêté sur votre lieu de travail. Est-ce que vous vous souvenez qui conduisait le véhicule qui vous a emmené ensuite à K17? The vehicle that transported you to K17. Answer. Réponse. Tapa. That was the vehicle of the state. C'était le Tapa véhicule de l'État. Headed us all to K, headed me, took me to K17, at which I was arrested. Tapa is deceased now. Et ce véhicule était conduit par Tapa, qui est aujourd'hui décédé. Qui était à... J'ai entendu Tapa dans votre Tapa. Who was Tapa? Entretien avec CDCAM E3/7696 à l'URN en français 00386421 7 à l'URN en Khmer 00231486 et à l'URN en anglais 00384111. Le nom que j'ai est PIC, P-H-E-A-K.
Et vous indiquez dans cette déclaration qu'il travaillait avec vous et qu'il était chef d'unité. Et je comprends de votre déclaration des SECAM que c'est lui qui conduisait la voiture. Est-ce que c'est à cette personne que vous faisiez référence dans votre réponse précédente? Pa. His name was Pa. There was another individual driving the vehicle, and that vehicle was belong to the state or the country. The Pa took us to office K-17, and that vehicle was four wheels vehicle. C'était un véhicule four wheel drive, à quatre roues motrices. Et est-ce que vous pouvez indiquer quelle était la fonction de TAPA? And can you tell the chamber what was the position of TAPA? TAPA, he was my chief at the hospital. C'était mon chef à l'hôpital. In charge of the work at hospital. Il était chargé de tout ce qui concernait l'hôpital en termes de travail. Vous avez indiqué répondant à monsieur le coprocureur ce matin que vous ne saviez pas qui était à la tête du centre de K-17, mais que vous aviez constaté que les personnes qui étaient en charge de vous garder étaient des soldats. Et j'ai compris également que c'était des soldats de division. C'est le mot que j'ai entendu. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Et savez-vous de quelle division ces soldats étaient issus? Do you know the division to which those soldiers belonged? It was Tassan's division. C'était it was la division de Tassan. The upper level. Qui appartenait à l'échelon supérieur. Et comment avez-vous su que ces soldats venaient de cette division de Tassan? Came from that division headed by Tassan. Answer. I saw those people coming to guard all of us. Pour nous garder tous. I do not know how those soldiers were assigned Je ne sais pas comment to perform the tasks. Ces soldats ont été affectés. Comment cette mission leur a été assignée? Est-ce que ce sont eux qui vous ont dit qu'ils étaient de la division de Tassan? Were they the ones who told you that they were from Tassan's division? They did not tell me. Ils ne me l'ont pas dit. I knew that those soldiers Je savais were from that division. I learned that from other youngsters. Car je l'ai appris d'autres jeunes. Et de quels jeunes parlez-vous? And who are those youngsters you are referring to? President, please. Le président. Observe the microphone. I am referring to my co-inmates, co-detainees. Je vais parler des co-détenus, ceux qui étaient détenus avec moi. Et vous avez indiqué ne pas savoir qui était à la tête du centre K-17. Lorsque vous avez été interrogé sur le même point
on the same par le personnel de CDCAM. By DCCAM, c'est le document E3/7696. ERN en français 00384-224-227. ERN en anglais 00384-120. Et ERN en Khmer 00-23-1496. Vous n'avez pas parlé précisément du chef de cassette, mais quand on vous a demandé qui était à l'origine de votre arrestation, vous avez répondu ils avaient leur chef. Ça venait de leur chef qui donnait des ordres. Successivement à l'époque, il y avait Tassaroun. Fin de citation. Ma question est de savoir, au moment de votre arrestation, est-ce que vous avez su si Tassaroun était à l'origine de cette arrestation, ou lorsque vous répondez au personnel de CDCAM, vous mentionnez simplement Tassaroun parce que vous savez qu'il est venu à un moment dans la localité. Est-ce que vous pouvez préciser ce point? He came to that area. Can you be more specific? President, please hold on, Mr. Villiers. You have the floor now, International Deputy Co-Prosecutor. Thank you, Mr. President. I just want to clarify, correct a reference the Council made. It may have been how my question may have been improperly translated in French this morning. My question to him this morning was not who was the head of the case of K-17. My question was who was the person who was in charge of the detention of the prisoners at the K-17 office. I think the record is pretty clear who the head of K-17 was. So it may have not been translated into French correctly, but the response of this witness this morning was that he didn't know who was in charge of the detention at K-17. L'identité de la personne en charge de la détention au K-17. Oui, précisément, il me semble que c'est ce que j'ai dit. J'ai commencé ma question en disant, vous avez indiqué ne pas savoir qui était en charge du centre de la détention K-17, et donc je renvoyais à ce que le témoin a dit dans son CDCAM à l'époque. Donc j'ai bien compris de la réponse ce matin qu'il ne savait pas qui était en charge de K-17, mais comme il a donné une réponse qui peut prêter à confusion, je demande clarification aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit au CDCAM. Donc, at the time of his interview. On va vous faire préciser, Monsieur le témoin, est-ce que vous savez qui était à la tête du centre de détention K-17? Answer. I was detained during that period, and that is why I said I do not know about that issue. J'ai affirmé ne rien savoir à ce propos. Perhaps, and as I said, I was detained in the detention center at that time. Au centre de détention à cette époque-là. Qu'avez-vous su ou qu'avez-vous appris de la position de Tassaroun sans savoir précisément s'il était à la tête de K-17. Est-ce que vous vous souvenez ou est-ce que vous voulez que je vous rafraîchisse la mémoire par rapport à ce que vous avez dit devant le CDCAM? Tassaroun to the DCCAM staff members. Tassaroun was the sector committee. Tassaroun était membre du comité du secteur. He used to be the sector committee. After Talang and Takampun, I did not know what was going on. Et Takampun. Après le départ de ces deux personnes, je n'ai plus su ce qui se passait.
Est-ce que vous confirmez donc bien que Tassaroun était secrétaire de la région 105? Tassaroun was indeed the secretary of sector 105. Answer. I do not know about that. Je ne sais since rien à I, ce sujet. As I said, was detained. Comme je l'ai dit, j'étais en détention. There was no public announcement Il n'y avait aucune made known to me. Public qui avait été I fait. Cannot give you my Et donc, j'aurais été au courant. Estimates or my guess who was the chief and who je was the deputy. Deputy chief at the time. Qui était le chef ou le chef adjoint I à l'époque. I had been arrested and then placed. J'avais été arrêté. In the detention and afterwards Placé I was transferred détention. To the work site. Et par la suite, j'ai été transféré dans les camps de travail. Je vous dis ça, monsieur le témoin, parce que devant le CDCAM, aux ERN que j'ai précédemment cité, DCCAM, voilà la I question like qui vous est posée. This was a question that was put to you. Quelle était la position de Tassaroun? What was Tassaroun's position? Et vous répondez, And your answer chef de la province. Was as follows. He was la question suivante chief est, of the province. Le chef de la province à l'époque, comment on l'appelait? And the next question was as follows. Et vous répondez, sector chief at the time, le chef de la région, on l'appelait secrétaire de la région. The Après la mort de Talung et la mort de Kampun, il n'y avait plus que Tassaroun. On vous pose alors la question. Tassaroun était secrétaire de quelle région? Et là, vous répondez, la région 105. On vous pose alors la question. Quel était son pouvoir en tant que secrétaire de région? Et vous répondez, il avait le pouvoir sur toute la province. En termes d'aujourd'hui, on dirait gouverneur de province. Fin de citation. Il would be called Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous avez dit au CDCAM? Does this refresh your memory as to what you told ça ne vous rappelle rien et dans ce cas-là, je passerai à une autre question. In which case, I will move to another question. Answer. It happened a long time ago. Cela s'est produit il y a longtemps. I cannot recall it. He used to be within the leadership of the sector and after Lang, after the event of Lang and Poon, and then I did not know who was to replace je n'ai pas su those people. Qui avait remplacé ces personnes. So that is all I can recall. C'est tout ce dont je me souviens. Vous avez décrit le bâtiment de K17 comme étant un bâtiment à deux niveaux. Ce que je voudrais avoir comme précision, c'est l'endroit où ce bâtiment de K17 se trouvait par rapport à la montagne de Phnom Krol. Est-ce que vous pouvez indiquer à quel endroit de la montagne ce bureau de K17 se trouvait? Tell us where that K-17 building was in relation to that mountain. Answer, there was a small dam. Il y avait un petit barrage. That road connected to Krachi. To the west. Il y avait une route qui that was the location of office 17. There were small dam. There was a small dam. And the bigger dam was to the bigger dams were to the north and south of au nord the mountain. Et au sud de la montagne. That was the location of K-17 or Office 17. C'était là qu'était situé le centre K-17. Pour être un peu plus précis, est-ce que ce bâtiment se trouvait sur la montagne building Phnom Krol situated on Phnom Krol en bas
ou au sommet, à quel endroit at the foot of that de mountain, la montagne exactement se trouvait un K17. Where exactly was office K17 located? Answer. Kraul, Phnom Kraul or Kraul Mountain was located in the south. And the office was located in the northwest, not in the north. Et non pas au nord. And there were streams. Il y avait des ruisseaux. There was a stream surrounding Kraul Mountain of Phnom Kraul. De la montagne de Kraul. So the office was on the other side of a small dam. I mean office 17. Du petit barrage. Je vais parler du bureau K17. So if we want, if you want to be sure, we can you can see it. Go to see it directly, pour être sûr, then vous pouvez aller it is sure sur for le you. Site pour avoir une description plus claire. Je vous remercie des efforts que vous avez fournis pour être précis, Thank you monsieur for le témoin. The you've made to be une more dernière question I have one last question sur le nombre de personnes qui étaient au niveau inférieur du bâtiment K17, nous avons entendu devant cette chambre plusieurs chiffres. Aujourd'hui, vous avez parlé de 80 personnes à un moment, confirmant des choses que vous avez dites devant le CDCAM. Puis à l'audience, vous avez dit 50, 60, 70. Et dans votre déclaration devant les coachs d'instruction, vous aviez parlé d'une quarantaine de personnes. Donc je sais que les faits sont anciens. Je voudrais savoir, au meilleur de vous souvenir, quel est le chiffre le plus exact entre 40 et 80 qui ont été donnés par vous à différentes reprises. 40 and 80 on various occasions. Answer on this particular issue, I'm not quite sure. It is my guess. Perhaps it did not reach 80. Estimation, tout simplement. Ce chiffre n'atteint pas 80 personnes. I did state that to the interviewer. Je l'ai dit aux enquêteurs. But it was only it is only a guess or an estimate. Mais ce n'est qu'une estimation. And we separated from each other later on, and nous some of us are living in a far distance, were living in far distance from us, from me, so I et do not know for très sure. Loin de moi. Je ne peux donc pas être sûr de ces chiffres. Monsieur le témoin, je vous remercie des efforts que vous avez fournis et je vais vous laisser vous reposer. Et Monsieur le Président, j'en ai terminé mes questions et mon confrère me confirme qu'il n'en a plus. Le Président, merci. I am grateful to you, Mr. Nezawad. The hearing of your testimony as a witness has now come to an end. Your testimony will contribute to the ascertainment of the truth, so and you may return to your residence or to anywhere you wish to go. I wish you good luck, good health, and prosperity in your life. Court officers, please work with the vessel to send the witness Nezawad to his residence or to any places he wishes to go. It is now time for the adjournment, and the hearing will be resumed on Monday, 14 March 2016 at 9 a.m. From 14 to 17 March 2016, the ECCC will be hearing an expert to TCE 88. In relation to the facts within the letter of appointing an expert, as you
relatif à la commission rogatoire. Please be informed and please be on time. Security personnel are instructed to bring Kilsom Pond and Nuantia back to the ECCC's detention facility and have them returned into the courtroom before 9 a.m. on Monday 14 March 2016. The court is now adjourned. Avant 9 heures, l'audience est levée.